Bonjour et bienvenue, heureux de vous retrouver en compagnie de Pierre Ménès pour ce match de coupe. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce match. Votre avis, Pierre, sur ce match? Ça va être très serré en fait, Hervé. Je pense qu'on devrait vraiment avoir droit à un beau duel entre deux équipes très proches. On va suivre cette rencontre dans ce stade où l'ambiance est parfois volcanique. Hein. Oui, en même temps, c'est carrément un choix de l'architecte qui a voulu que son stade ressemble à un cratère. Ah oui, c'est ça. Ah ben c'est pour ça. En fait. Bah oui, c'est pour ça du coup. Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale. Et on découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3-3 pour cette rencontre. Avec un attaquant axial et deux joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif à la perte de la balle. Vous découvrez maintenant la composition de l'équipe de Corée du Sud. Je vous laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur. Un 4-5-1, on s'en souvient, c'est le système qu'utilisaient les Français en 98, mais aussi en 2006. Et l'arbitre qui siffle le coup d'envoi. C'est parti pour 90 minutes. Bah, tout le monde est en place, nous on est bien assis, donc allons-y. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif. Il prend sa chance. Ça a été touché par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. Le corner qui va arriver en plein milieu de la surface. La passe est interceptée. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Il s'infiltre, attention. Un joueur qui peut vraiment apporter quelque chose dans cette rencontre. On sait que dans la finition, il est redoutable, toujours bien placé, avec un sang-froid à toute épreuve. Les 30 derniers mètres. Heung-Minson, et le but, l'ouverture du score. Eh bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. Ah, c'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. Et on peut constater, une fois de plus, le sang-froid, la lucidité de ce joueur dans le dernier geste. Parfait, rien à dire. Beaucoup de joueurs paniquent souvent lors du dernier geste en voulant trop bien faire. Avec lui, tout paraît toujours tellement simple. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Alors le ballon est perdu.
coup. Elle est peut-être une bonne occasion. Lui. La défense qui concède un corner. À nouveau les images de ce but qui leur a permis de prendre l'avantage. Très belle frappe, bien placée sur le côté droit. Le gardien s'incline. Le corner, le ballon, le gardien qui intercepte sans difficulté ce corner. Elle passe de la tête. Lee. Attention, il a du champ devant lui. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Edmundson. Il récupère le ballon. Centre vers ses coéquipiers, ah, c'était dangereux, mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Et le duel remporté dans sa surface, ah, facile la récupération, la remise directe, c'est bien vu. Lee, Hugminson. Attention, ça peut être dangereux. Allez, par-dessus. Non, on a trop mal assuré cette passe finalement. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Et la défense qui respire parce que ce contre aurait pu être dangereux. Un redoublement de passe, c'est bien joué. Bien bloqué par le latéral, ce centre. Ah, il donne carrément le ballon à l'adversaire. Qui se baigne. Tire qui file tout droit dans les bras du gardien, pas de problème. Li Yangtsong. Kim Yung-won. Ki Sung-yang. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ah, il est bien sorti là pour intercepter ce ballon. Ah, il n'y aura que 2 minutes hein, de temps additionnel à jouer. Lee. Ki Sung-yang. Hugminson. C'est dans le paquet. Et le but, le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Superbe action vraiment, avec ce bon centre d'abord, et puis après la joueuse se admirer. On voit que le joueur est bien sur ses appuis avant de se détendre. Après, bah, il dépose le ballon exactement où il veut.
Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. En grande difficulté, hein, cette équipe dans ce huitième de finale de Coupe du Monde. Ouais, moi, j'aurais plutôt dit à la rue. C'est bête, mais leur parcours risque de s'achever sur une bonne raclée. Seconde période. Il peut encore se passer plein de choses, hein, Pierre. À tout dépend de ce qu'ont décidé les entraîneurs, hein, puis aussi de la fraîcheur des joueurs. Peut-être une bonne opportunité, attention. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Il va y avoir un corner. Ah, il est visiblement pas dans un grand jour, on dirait. Et ses statistiques le confirment. On ne l'a pas beaucoup vu et quelques mouvements qu'il a tentés n'ont pas vraiment inquiété la défense adverse. Ah, bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Bonne anticipation sur cette interception. L'arbitre va peut-être sortir un carton maintenant. La faute sanctionnée d'un carton jaune. Il va falloir faire gaffe maintenant. On revoit les joueurs se jeter sur ce ballon. Et la faute, bien sûr. On revoit ce tacle glissé. Et la faute est nette. Hein. Huggins, oh la belle tête! Surtout quel arrêt, une action splendide! Allez, cet arrêt va peut-être le rassurer, il faut qu'il se remotive. Il a signé une bonne première période, hein, je trouve. Bon, c'est mon avis, Pierre, vous en avez pensé quoi, vous, de sa performance? C'est bien ce qu'il a fait dans cette première mi-temps. Il a inscrit un but, son équipe mène, donc bonne première période de sa part. Ki Sung-yueng. Lee Yang-Tsung, ils veulent faire bouger la défense avec ce très bon redoublement de passe. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Il s'est traversé par Tonnerre. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Park Jo-ho. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Et se repasse le ballon, ça fonctionne bien. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Attention, ouais, pas de souci. Le gardien qui capte bien ce ballon. Qui se mène. Encore un bon ballon. Les 30 derniers mètres. Ouais, le ballon qui est perdu. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Le long de la ligne de touche. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Coup. Park Jo-ho. Huggins. Coup. On s'approche du but. Yang-Tsung. Ouais, la bonne parade du gardien qui conserve bien ses ballons dans les bras. Coup. Lee.
Ça part bien, action dangereuse. Allez, le centre maintenant. Et c'est finalement en repoussé par la défense. Et on arrive dans les 8 dernières minutes du temps réglementaire. Coup. Peut-être une bonne opportunité, attention. Et là, voilà la frappe. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Il s'avance vers la surface. Edmundson. Ah, il va centrer. Un bon ballon qui va peut-être retrouver le preneur. Oh, magnifique! On le croyait battu! Et il nous sort un arrêt exceptionnel! Oh, mais c'est vraiment là que le mot dernier rempart prend toute sa signification. L'entraîneur qui va faire un changement. On a bien tiré au niveau du point de pénalty. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Il y aura 2 minutes de temps additionnel, ce n'est pas énorme. Lee. Un ballon récupéré par l'adversaire. Ça y est, cette fois, c'est bel et bien fini. Coup de sifflet final de l'arbitre. Ah, les joueurs et l'entraîneur qui sont passés à côté hein, de ces huitièmes de finale, à côté de leur match. On a vu un bon joueur aujourd'hui, hein, sérieux, appliqué dans ce match, bonne performance de sa part, en plus son équipe gagne. J'ai trouvé qu'il avait livré un bon match, il a participé à la victoire de son équipe en inscrivant un but, c'est toujours bon pour la confiance.